1, 2, 3. Leur slogan, Féo, le groupe qu'il vous faut. Ces cinq musiciens revendiquent tôt et fort leur métissage musical, tout en affichant clairement leur seule ambition, vous faire danser. On va jouer maintenant deux Scottish qui nous viennent d'un petit berrichon. Benoît Vielle à la Roblin.
faut qu'on vous dise, ça fait plusieurs dizaines d'années pour certains d'entre nous que l'on vient à Saint-Chartier régulièrement pour rêver, pour s'ouvrir les oreilles, pour s'ouvrir des portes. Et cette année, le fait d'être programmé, c'est un grand honneur. Merci beaucoup. On s'appelle Féo, donc on est 5. La formation, c'est contrebasse, vielle à roue, accordéon, guitare et flûte traversière. Et on joue de la musique basée sur les rythmes des danses traditionnelles. Donc des compositions destinées au bal traditionnel. Le groupe est pas mal influencé par les musiques du centre France. Du Berry. On est deux à être originaires du Berry, à avoir appris à danser la bourrée tout petit. Donc on a baigné, on est bien imprégné. Donc ça influence un petit peu la direction prise par le groupe. Mais on fait des danses de bal pour un bal. Enfin, on fait danser toutes les danses. On n'est pas exclusivement centre France. On fait du bal avec toutes les danses qu'on peut y danser habituellement, quoi. Les uns les autres, on amène des compositions. On vote à main levée. Non. Généralement, comme on est tous très inspirés, on les garde, ces compositions, et puis on les arrange en groupe, quoi. Ensemble, on les joue ensemble, on apprend le thème, et puis on les met au point avec les idées qui se greffent les unes les autres, avec nos idées, nos goûts, nos vécus à nous chacun. Et puis ça donne un ensemble à peu près homogène qui se tient parce que c'est fait de concert, quoi. Pour moi, la spécificité, c'est l'écriture des morceaux. On a des mélodies qui sont assez originales, surtout, qui sont très dansantes, parce qu'on les écrit pour ça. Et ensuite, elles ont quand même quelque chose dans les modes utilisés, les modes musicaux utilisés, les arrangements qu'on fait, les harmonies, tout ça, ça fait quelque chose d'assez atypique. Et surtout, je dirais après, l'énergie qui nous correspond le plus. Oui. On a quand même, on peut dire, tous les cinq, quand on joue au plein jeu, on a un gros son. Voilà.